Bonjour à tous, Geoffrey de chez universdugamer.com. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter donc le nouveau gant Roche Repulse Pro G2, donc avec couture négative. La particularité de ce gant, ce sont bien sûr ses coutures négatives, donc comme on peut le voir ici. Ça va vraiment permettre un très bon ajustement du gant. Ça va permettre d'être vraiment proche au niveau des doigts et de maximiser la zone de contrôle pour les prises de balles. Ça, c'est vraiment le point fort de ce gant. On retrouve également une paume G2 Ultra Soft d'excellente qualité, certainement la meilleure paume de chez Rush. Donc une paume qui va avoir un très bon grip et une très bonne adhérence. Sur le dessus du gant, on va retrouver toutes les innovations de chez Rush, l'arvant système. Au niveau du corps du gant, on va retrouver un tissu mèche entre le pouce et l'index également. On a également le pouce qui est enroulé d'un rajout de latex pour agrandir la zone d'accroche également. C'est vraiment un gant complet. À ce niveau, on retrouve essentiellement du latex donc entre les doigts, vraiment renforcé à ce niveau. Entre le pouce et l'index à l'intérieur, on retrouve aussi le tissu mèche pour une très bonne aération du gant. Au niveau du bandage poignet, on retrouve donc un bandage assez classique hein, de chez Rush, avec le petit pull-up à ce niveau et une seule accroche, donc on n'aura qu'un seul scratch pour le maintien du poignet. Voilà. Et donc là, je peux tout de suite ressentir vraiment un très bon confort et vraiment les doigts bien bien serrés, vraiment bien ajusté ce gant. Je conseillerais vraiment ce gant à tous les gardiens qui recherchent un gant de bonne qualité, un gant haut de gamme. Donc c'est un prix, c'est à peu près 80 €. Mais vous ne serez pas déçus, et pour ceux qui adorent les coutures négatives, vous pouvez y aller sans aucun souci. C'est vraiment une valeur sûre de chez Rush. Donc voilà, c'était Geoffrey, je vous ai présenté le nouveau gant Rush Repulse Pro G2 couture négative.